Maudit chien du shogunat! Mais tu étais censé la protéger! Finalement, l'idée de nous séparer s'est retournée contre nous. S'il avait voulu te tuer, il l'aurait fait. Et tu es toujours en vie. Est-ce qu'il t'a dit quoi que ce soit? En d'autres termes, il aurait tué Fumi si tu avais résisté. Pas étonnant qu'on le surnomme le démon bleu. Maître Shōin est actuellement transporté jusqu'au lieu d'exécution d'Edo. Fumi sera sûrement à Edo, elle aussi. Nous n'arriverons à rien en restant ici. Nous devons vite nous rendre à Edo. Qu'est-ce que tu comptes faire? Honnêtement, j'apprécierais que tu nous accompagnes à Edo. Qu'en penses-tu? J'en suis ravi. Allons-y. Allez, debout! Allez, c'est ton tour. Merci. Tu l'as vu aussi, non? Il est resté fidèle à ses convictions. Jusqu'au bout. Katsura, Shinsaku, Genzui. Ses actions les ont inspirés. Eux et bien d'autres encore. En mourant, Maître Shōin nous a légué quelque chose. Et ce quelque chose... J'ignore encore ce que c'est. En revanche... Je sais que je dois tout faire pour forger un nouveau Japon. Bon, allons rejoindre Katsura et les autres. Je crois qu'ils se cachent dans les ruines du temple Saiyo. Nous devons faire attention. Edo est le cœur du shogunat. Le démon rouge a des yeux partout. Alors ne nous déplaçons pas à découvert. Katsura et les autres vont avoir du mal à trouver Fumi. La situation est déjà assez difficile sans cet obstacle supplémentaire. Avec la mort de Maître Shōin, c'est peut-être la fin pour eux. À vrai dire, j'espérais que Maître Shōin serait là. Je pensais qu'avec lui, notre pays avait vraiment une chance. Mais je vois à présent que remettre mon destin entre les mains d'un autre est idiot. Ma vie ne dépend que de moi.
L'heure est venue. Résister ensemble. Je garderai les derniers mots de Maître Shoin avec moi, jusqu'à la mort. Quelle terrible vision. Tant de gens touchés par le choléra. Cela m'attriste de voir Edo dans cet état. Ce n'est plus que l'ombre de la ville brillante que j'ai connue. Nous ne pouvons nous y résoudre. Il faut faire quelque chose. Le temple Sayo est un lieu de rencontre secret pour les serviteurs de Choshu. Il faut un geste spécial pour entrer. Je vais te montrer. Regarde. Halt ! Seuls ceux qui connaissent le geste spécial peuvent entrer. Très bien. Vous pouvez passer. Ah, la pluie, c'est sans fin. On a raison de dire que le beau temps revient toujours. En juger par la tête que vous faites, vous n'avez pas encore retrouvé Fumi. Pardonnez-moi. Taka ? Fumi ! Tu es en vie ! Ah ! Oui. Taka m'a aidé à m'échapper. Plus rien ne nous retient désormais. Mais je ne suis pas sûr de comprendre. Vous avez beaucoup de questions, j'en suis sûre. Mais gardons-les pour une autre fois. Il se trouve que j'ai une nouvelle de la plus grande importance à vous annoncer. Le clan Satsuma est sur le point de se rebeller d'un instant à l'autre. Si vous vous alliez à lui et si vous l'emportiez, vous pourriez alors certainement briser les reins du shogunat. Et vous mettriez peut-être un terme définitif à cette purge. Absolument. Nous joindre à lui est notre meilleure option. Le clan Satsuma est aussi puissant que celui de Choshu. C'est une chance à saisir. Pas du tout. Les Satsuma sont obsédés par tout ce qui est occidental. On ne peut pas leur faire confiance. S'allier à eux est une folie. Écoute-moi, Genzui. Je te laisse prendre la décision. En tant qu'élève favori de Maître Shoin, c'est toi qui as hérité de sa vision. Je jure de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour t'aider. L'heure est venue. Résister ensemble. Maître, je vais écouter mon cœur et suivre la voie en laquelle nous croyons. Allions-nous au Satsuma. Pour remettre le Japon sur le droit chemin, nous devons oublier nos différends et embrasser ce qui nous unit. Qu'en dites-vous? Ai-je votre soutien? Oui. Venez me voir à Yoshiwara quand vous le pourrez. J'aimerais vous parler en privé. Bien. Parlons sérieusement. Je vous demande pardon. Je vous ai demandé tant de choses sans même révéler mes motivations. Vous devez savoir que j'ai longtemps été une espionne du Seigneur Ii. Depuis nos jours à Ikone, à vrai dire. C'est lui qui m'a offert cette épingle à cheveux. Mais la situation est très différente désormais. Tant de choses ont changé, dont mon seigneur et moi-même. L'homme que je connaissais est devenu le démon rouge. Et pourtant,
Le rôle qu'il endosse aujourd'hui le tourmente. Avoir été témoin de la purge m'a ouvert les yeux. Je sais maintenant qu'il faut l'arrêter. Et qui mieux que moi pourrait s'en charger? Toutes ces années passées à ses côtés m'y ont préparé. J'ai laissé la jeune Fumi s'échapper, au péril de ma vie. C'était la meilleure chose à faire. Oui, j'en ai la certitude. Mais, à présent, une peur indicible m'envahit. J'ai la terrible impression qu'une chose horrible va se produire. Selon vous, que devrais-je faire? Allez-vous vous joindre à la rébellion du clan Satsuma? Je connais une ruelle que le shogunat ne surveille pas. Je vous y conduirai. J'aimerais vraiment pouvoir vous aider davantage. Prévenez-moi quand vous serez prêt. Tu as donc décidé de te joindre à nous. Les hommes du démon bleu se dirigent vers la princesse Atsuko. Il semble y avoir des dissensions dans les rangs du shogun. S'ils mettent la main sur la princesse, tout le clan Satsuma sera pris en otage. C'est vous qui avez libéré Fumi. Je vous en remercie. Grâce à cela, nous n'avons plus les mains liées. Laissez-nous faire. Vous, vous devriez vous mettre à l'abri. Soyez prudent, je vous en prie. Je vous attendrai. Maintenant, rallions les Satsuma. Tu es prêt? Non.
bizarre par quelqu'un comme toi. Voyez, princesse Sato, un rat se fait attraper. Manabe. Quelle surprise de voir un chat errant ici. Mais tu as bien fait. Je te remercie. Hors de ma route. Princesse, nous serons bientôt définitivement débarrassés de ces vermines. Grand merci. Tout semble se dérouler selon nos plans. Je crains d'apporter également de mauvaises nouvelles. Que dis-tu là ? J'ai des nouvelles de mon père, votre seigneur. Une grave maladie lui a pris la vie. Non. Sans les soldats de mon père, nous ne pouvons pas continuer. Il faut déposer les armes, du moins aujourd'hui. Mais ne perdez pas espoir. Son rêve lui survivra. Ensemble, nous perpétuerons son héritage. Merci encore pour tes efforts. C'est frustrant, mais il ne reste maintenant plus qu'à attendre. Je vais me retirer au pavillon des femmes. Ne te fais pas de soucis pour moi. Pas même le haut conseiller n'oserait venir m'y chercher. La disparition de mon beau-père affaiblit sérieusement les Satsuma. L'avenir du clan repose sur Saigo et toi. Mais nous avons peu d'expérience. Et notre maître a disparu. Tu connais Saigo mieux que personne. N'est-ce pas? Apprenez à pallier vos faiblesses respectives. Et bâtissez l'avenir du clan. Oui, princesse. Je vous remercie. Cependant, j'ignore encore votre nom. Tout le monde a un nom. N'est-ce pas, princesse Sato? Quel curieux personnage. J'ai hâte de vous revoir. Lorsque les choses se seront calmées. À une prochaine fois. Je vous en prie, pardonnez-moi, Seigneur. Je n'imaginais pas que la princesse pouvait être à ce point obstinée. Tu as donc choisi de prendre les choses en main, à ce qu'il semble. Mais au moins la princesse est-elle maîtrisée, pour l'instant. Bon, très bien. Je te relève temporairement de tes fonctions. Va. Allez. À vos ordres. Tu as entendu parler de la mort de Taka, n'est-ce pas? Je n'arrête pas d'y penser. Elle nous avait tellement aidés depuis notre rencontre à Yokohama. Nous nous étions bien amusés dans le quartier des plaisirs. Pas vrai? Mais ce n'était pas une geisha comme les autres.
Elle a pris de gros risques en aidant Fumi à s'échapper. Elle avait conscience de ce qu'elle risquait. Mais elle a fait ce qu'il fallait. Elle ressemblait à une fleur. Mais elle avait le piquant d'une abeille. Si je veux aider à forger l'avenir du Japon, je dois faire preuve de la même détermination qu'elle. Genzui élabore déjà la prochaine étape de son plan. Mais moi, j'ai besoin d'un peu de temps pour digérer tout ça. Tu pourrais aller te recueillir sur la tombe de Taka. Elle est juste là, dans le temple Sayo. Étiez-vous une connaissance de Taka? J'aimerais que vous priiez pour elle. Te sens-tu seule, ma chère Taka? Sois patiente. Je n'en ai plus pour longtemps. Et lorsque je te rejoindrai, je t'offrirai la plus belle épingle à cheveux que tu aies jamais vue. Genzui semble avoir mis sur pied son nouveau plan. Nous attendons juste que tout le monde arrive. Depuis que Genzui a lu les dernières paroles de Maître Shoin, il est déterminé à forger un nouveau Japon. En fait, je crois bien qu'il se prépare à attaquer de front les hommes du Démon Rouge. Les dispositions ont été prises. Bien sûr. Alors toi, on peut dire que t'as le chic pour surgir au moment propice. Ah, Ryoma, regarde ça. Ils sont tous venus pour nous aider à terrasser le Démon Rouge. Je suis très impressionné. D'abord, je voudrais tous vous remercier d'être venus. Nous venons tous d'horizons divers, de fiefs aux coutumes variées, aux loyautés différentes. En fait, certains de nos clans étaient rivaux il y a longtemps. Mais nous avons su mettre de côté nos différends pour nous unir. Ce dont Maître Shoin aurait été fier. Nous devons agir au nom de tous les opprimés. N'oublions pas la douleur de Maître Shoin, ni celle de tous les autres qui souffrent encore. Nous mettrons un terme à ces ténèbres. Et nous infligerons une punition divine aux démons rouges. On raconte que des individus hostiles rôdent près du château. Peut-être devriez-vous poster plus de gardes. Le nombre de gardes alloués est décidé par le shogunat. Pensez-vous que le haut conseiller ferait fi des règles?
Shogunat que vous attaquez. Je ne me laisserai pas faire. Viens. Viens prendre ce que tu mérites. Que fais-tu ici? Je t'ai relevé de tes fonctions. C'est vrai. Et je suis venu ici de mon propre chef. En tant qu'homme, j'ai le droit de choisir le lieu de ma mort. Je ne te remercierai pas. Avec moi. C'est parti! Madame, tu peux agir. Entendu. D'une lame secrète solitaire. Je n'ai pas pu aider celui que j'avais juré de protéger. Je suis occupé, là! Tu comprendras que le reste est entre tes mains! Mars 1860. Le démon rouge fut assassiné devant la porte Sakurada du château d'Edo. Ils disent que les négociations sont suspendues. Ce ne sont que des mensonges. Bah, allez donc leur dire. Personnellement, je ne tiens pas à goûter à leur assiette. Mais qui êtes-vous? Faites vos prières! Oh non! Suite à cet incident, l'autorité du shogunat périclita, tandis que les samouraïs rebelles s'enhardirent. L'influence des États-Unis, que Naosuke Ii soutenait plus que tout, déclina, ouvrant dès lors aux Britanniques la porte du Japon. Hmm.
Après leur victoire à la porte Sakurada, Kusaka et ses alliés réfléchissent à la prochaine étape de leur plan pour expulser les étrangers. Voilà, tout doux. Bon chien, bon chien. Hé, hey, mais qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Hein? Salut, pardon. Bon chien, bon chien. Allez, on y va. Toi alors, j'aurais pu vous embrocher tous les deux. C'est vraiment pas le moment de faire couler le sang. Laisse ces bêtes tranquilles.